À l'aide de l'accompagnement de l'OIM, j'ai pu créer un groupe à Bokeh et puis essayer de travailler avec eux. Le groupe est composé de 14 membres. Ils sont tous des migrants de retour. On a décentralisé le projet parce que le local et leur habitation, il y avait beaucoup de distance. Il faut dépenser beaucoup le matin. On ne pouvait pas tenir le coup. Mais chacun de nous essaie d'évoluer là où il est. On fait le savon Kabakoudou. Donc il y a des savons de 1500, il y a les savons de 2, il y a des morceaux de 2000, de 2500 et les morceaux de 5000. Les deux filles vont nous faire quelque chose de 2800 morceaux. On les divise dans les sacs qui contiennent 120 morceaux par sac. Nous sommes des grossistes, on ne détaille pas. On voit réellement les fruits de nos travaux dans les différents marchés hebdomadaires. Le seul conseil que je vais donner à mes amis, c'est avoir le même courage de l'autre côté. Bon, accepter de se patienter et de se former. Il ne faut pas fixer dans la tête que je sais pas, le premier coup, tu vas avoir de l'argent. Ça va pas être facile avec toi. Donc, mais dès que tu te formes, tu as un objectif bien déterminé. Tu le suis, tu pourras t'en sortir. Parce que la solution, c'est chez nous ici. C'est possible de réussir ici.